Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, on va dire, on va appeler ça un petit atelier bougie. Comment on peut décorer des bougies qui sont d'habitude simples, voilà, blanches, et comment on peut les customiser à notre goût. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais à chaque fois que je trouve de belles bougies qui me plaisent, ça coûte une fortune. Et sinon, c'est des trucs basiques que tout le monde a. Et du coup, j'avais envie de faire des bougies que j'aime. Voilà, tout simplement. Donc, il y a plusieurs solutions pour ça. Ou avec des serviettes en papier. Voilà. Ce qui donne ceci. Moi, j'ai fait celle-là. Bon, elle n'est pas finie. Là, je vais venir le cacher, tout ça. Je vais venir mettre un peu de fausse neige. Voilà. Donc, là, j'ai fait ça avec cette serviette. Je ne sais plus où je l'ai trouvée. Franchement, c'est tellement galère cette année de trouver de belles serviettes que du coup, j'en ai pris quelques-unes à droite, à gauche. Mais voilà. Et j'avais craqué sur celle-là. Donc, ça, c'est fait avec des serviettes. Les petites aussi. Là, pareil, hein, je compte y mettre de la neige. Voilà. Et celle-ci. Ça, c'est fait avec ces serviettes-là. Voilà. Donc, bien sûr, après, moi, je vais venir y mettre un petit peu de neige, customiser tout ça pour qu'elle soit plus jolie. Voilà. Donc, on va en faire une avec vous. Là, je vais reprendre la même méthode que l'année dernière. Je crois que je vous avais fait le tuto aussi. On peut le faire en personnalisant avec des images, des photos. C'est ce que j'avais fait l'année dernière. Moi, j'avais fait des bougies souvenirs, voilà, pour la famille en cadeau. Là, moi, j'ai décidé de le faire avec cette image-là. J'ai craqué dessus. Je l'ai trouvé sur Pinterest, voilà, et j'ai eu un coup de cœur, donc du coup, je voulais me faire une bougie personnalisée, voilà. Ça, donc, je suis venue recouvrir un papier, 160 grammes, de papier de soie blanc. Je suis venue par derrière le scotcher pour le passer à l'imprimante. Voilà ce que ça donne. Et donc là, on va venir tout simplement le sur la bougie. Donc ça c'est une grande, mais bon, donc je vais venir commencer par voir la taille. Donc je viens couper. Alors moi je laisse le carton parce que c'est plus facile, mais après vous pouvez très bien le couper après avoir enlevé la cartonnette. Ça c'est vous qui voyez. Donc je vais couper un peu. Ouais, je vais couper cette bande. Donc ça. Hop. Donc je regarde la taille que je veux. Là, je vais venir couper ici. Donc là c'est facile, je m'aide avec les lignes. Donc c'est facile. Voilà ce que ça donne. Je vais regarder ce que ça donne. Voilà ce que ça va donner en fait. Et là, derrière, c'est pas grave, je viendrai décorer autrement. Ça, je vais le garder parce que ça peut faire un complément pour autre chose. Donc là, je vais venir couper les bandes blanches qui ne me serviront pas. Après, c'est la même technique que ce soit des serviettes ou du papier de soie comme ça. C'est pareil, c'est exactement la même chose. Et là, nous avons
notre image qui est imprimée sur du papier de soie. Voilà, ça on peut le garder si on veut. Et donc là, moi je vais prendre du papier sulfurisé. Alors, faut pas qu'il soit trop abîmé par contre, parce que après il va être ça va se voir sur la bougie. C'est ce qui s'est passé sur les autres, donc c'est pour ça que je vous le dis. Donc, ça là, je regarde à peu près la taille. Hein. Hop. Pas la peine que ce soit trop grand. Ça, je le mets de côté pour les petites. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre mon image. Là. Je vais prendre mon papier de cuisson. Je vais venir plaquer l'image dessus. Et là, je vais venir le plaquer. C'est exactement le même principe que pour des... On peut le faire avec des photos. Donc là, je vois que je suis pas droite. Donc on se met bien droit, on plaque bien l'image. Voyez. Et là, je vais venir le scotcher. Il y a plein de tutos hein, sur YouTube. Donc... j'ai rien inventé. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et là, voilà, je vais le faire au Edgen parce que c'est plus rapide et que je l'ai apporté demain surtout. Donc, je vais couper le son à cause du bruit. Et puis on va se retrouver tout à l'heure. Thank you.
voir ce que ça donne. Donc je retire délicatement. Et voilà, ma bougie est prête. Si on veut, on peut la laisser comme ça. Moi, bien sûr, je vais venir tâcher. Ça, là, je vois que c'est pas tout à fait sec, c'est pas pris. Alors, il y a deux solutions. Ou on coupe un peu plus bas. Ou alors, on vient le refaire. Voilà, et là c'est collé. Là de toute façon au bord je viens d'en mettre de la neige. Donc voilà la bougie, le transfert d'image. Je voulais vous montrer aussi. J'en avais fait une petite aussi carrée. Bon, elle n'est pas finie encore. Hein. Et là, j'avais fait avec le. C'est la même technique. Voilà. Donc le Père Noël, les reines. Voilà. Bon, elle n'est pas finie. Mais bon, ça vous voyez comme ça qu'on peut faire avec des petites aussi. Donc ça, c'est fait. Ben là, j'ai plus qu'à prendre. On va prendre une éponge. On va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? De la peinture? Non. J'ai plutôt pas ta structure. Non, je vais prendre la peinture. Parce que la pâte à structure, je ne sais pas ce que ça donne si on le fait brûler après. Donc, je vais prendre de la peinture blanche. On peut le faire aussi avec de la pâte à relief, hein, comme, à structure, hein, comme on veut. Moi, là, je vais prendre de la peinture blanche. On peut prendre du beige aussi. Et là, moi, je vais venir tapoter. Alors, je fais des couches épaisses parce que je veux un peu de relief, comme si c'était de la neige. Bon, après, ces bougies, moi, je ne conseille pas trop de les faire brûler, c'est dommage. Parce que quand même, elles sont belles, quoi. J'ai toujours de mal à faire brûler les bougies quand elles me plaisent. J'ai toujours beaucoup de mal en fait. Et là, je viens tapoter. Là, hop, ça, je l'enlève. Parce que c'est pas bien. Non, voilà. Et on le fait partout là où on a envie. Bon, on va le faire là. Je vais rajouter un peu de peinture. Donc là, moi je viens tout recouvrir, mais après vous n'êtes pas obligé. On pourrait y mettre aussi des perles, des diamants, en fait, bref, ce qu'on veut quoi en fait. Au final. On fait ce qu'on veut. C'est ça qui est bien, en fait. Et du coup, ça permet de faire des petits cadeaux sympas aussi. J'essaierai de vous retrouver le lien de la vidéo de l'année dernière où je faisais avec les photos. Si ça vous intéresse. Voilà. Là, je veux un peu plus d'épaisseur. Ça fait pas assez la neige pour moi. Mais bon, après, voilà, vous faites comme vous voulez.
je vais bien le faire aussi en bas. Je sais pas si vous voyez bien, mais parce que du coup je suis un peu embêtée, je sais pas comment la tourner la bougie. Voilà, pour pas m'en mettre partout. Donc voilà. Hop. Là. Et là, bien sûr, moi, je vais venir mettre quelques paillettes pour faire l'effet de neige. Vous n'êtes pas obligé non plus. Mais je trouve que ce sera plus sympa quand même. Donc, voilà. Là, je la prends. Alors, je fais attention à la peinture. Et là, pareil, je viens mettre des paillettes. Tout le tour, partout. Ce qui fera plus Noël. Bon, après, bien sûr, on récupère les paillettes. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors, vu le temps, enfin la lumière, je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Mais bon, voilà. Donc là, ben, je vais laisser sécher. Je vais continuer à faire les autres. Voilà. Peut-être qu'après, je ferai une vidéo pour vous montrer toutes les bougies. Mais je ne vais pas en faire 50 non plus parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, pareil pour celle-là, on l'arrange comme on veut. On peut y mettre des paillettes. Voilà. Par contre, si on veut l'allumer, les perles, les strass et tout ça, moi, je déconseille. Voilà. La pâte à structure, si vous faites comme moi avec de l'enduit pour boucher les trous, évitez peut-être parce qu'on ne sait pas en brûlant ce que ça peut faire. Voilà, là, je pense que ce serait dommage de brûler une belle bougie comme ça. Ce serait quand même, voilà. Non, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.